Promenade matinale. Cela montre mon chemin de marche du matin. Cela semble être un peu plus compliqué que d'habitude avec mon départ différé considérable. Je suis vraiment désolée que cette vidéo soit aussi un peu tremblante que ce à quoi je m'attendais. C'est une route à côté d'une petite rivière, qui peut être appelée ruisseau ou ruisseau à Gangnam. Il y a une sorte de promenade au bord de la rivière, et l'endroit où je marche actuellement est une route qui est parcourue par des gens à côté de la route des voitures. Il a été aménagé récemment, donc il a l'air relativement bien. Les arbres sont plus gros que ce à quoi je m'attendais. Il existe une variété de bancs où vous pouvez vous asseoir et passer du temps à plusieurs endroits. De temps en temps, des équipements d'exercice sont également installés. C'est un espace de détente pour les citoyens au cœur de la ville. Bien sûr, vous pouvez avoir l'impression que c'est un peu bruyant car de nombreuses voitures roulent à côté. Cependant, il est inévitable qu'il n'y ait pas d'autre moyen d'échapper à un tel bruit dans la vie urbaine. Cela me donne l'impression que c'est comme un chemin à travers une forêt parce que c'est étalé entre les grands arbres, donc j'adore ça. Ce type de route mène à Gwacheon. Du côté d'une sorte de promenade au bord de la rivière. Certaines personnes peuvent se promener. Il y a aussi une piste cyclable. D'autres aiment faire du jogging. Cependant, sa largeur est un peu étroite. Je pense à une sorte de promenade au bord de la rivière, dont cet endroit est un peu étroit par rapport à la route fluviale en Europe. Cependant, c'est l'un des sentiers de randonnée représentatifs de Séoul. Il y a beaucoup d'endroits comme celui-ci dans tout le pays. Du coup, j'ai l'impression que la Corée devient de plus en plus avancée. Ce qui est particulièrement impressionnant, c'est que de nombreux cafés s'installent dans cette rue. Il y a aussi un café où vous pourrez déguster du vin, ce qui en fait un espace de prédilection pour les jeunes. J'aimerais les appeler le petit Beverly Hills de Séoul. Pas si flashy. C'est un espace où vous pouvez profiter de votre propre romance et détente. Cependant, il est dommage que l'espace avec de l'herbe soit relativement petit. Surtout en hiver, je ne voyais pas de vert, ce qui est dommage. J'aimerais donc voir du vert même en hiver. Cette partie semble avoir besoin de plus de recherches et d'efforts. Je pense que la marche est bonne pour la santé et en plus, c'est une sorte de temps de méditation. Bien sûr, ce n'est pas si calme par rapport à la route à pied à la campagne. Cependant, je suis reconnaissant d'avoir et de ressentir un espace comme celui-ci à Séoul. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui comme d'habitude, je ferai tout mon possible pour apprendre quelque chose et le défier avec un esprit frais.